Bonjour. Bonjour ma fauve-flore, la reine. Je viens rafraîchir la mémoire de certains d'entre vous. Donc ceci est un rappel. L'esprit me dit de vous rappeler ce matin. Qu'il se trouve dans les petits miracles. Et beaucoup d'entre vous, vous passez le temps à attendre les grandes manifestations. Vos finances sont déjà en train de changer. Mais vous ne voyez pas. Parce que vous attendez un dépôt de 50 millions de francs CFA dans votre compte. Vous êtes déjà en train de guérir, mais vous attendez qu'un beau jour, tout disparaisse, toutes les douleurs disparaissent. Et c'est ce qui bloque l'avancement de votre miracle. Vous ne pouvez pas voir combien d'argent vous... Vous êtes tellement concentré sur votre compte d'épargne que vous ne pouvez pas voir combien d'argent vous investissez chaque jour et combien entre dans vos poches chaque jour. Pour dépenser 400 euros par jour, il faut que j'aie 400 euros d'abord, non? Certains parmi vous, depuis au moins un mois et demi, chaque jour, vous faites des grosses dépenses. Et vous ne mourrez pas, hein? Vous ne tombez pas. Peut-être que tu avais commencé à construire la maison, tu avais abandonné le projet depuis un an et demi. Depuis deux mois, chaque jour, le chantier avance. Mais tu ne vois pas. Parce que tu n'as pas un 45 millions qui est tombé dans ton compte une fois. Bam! L'esprit veut que vous fassiez très attention. Parce que ce que tu zappes en attendant les gros changements, ça peut être ça qui est en train de gâter ton témoignage. Ou même ta percée. La Bible dit que do not forsake. Do not despise the days of small beginnings. Ne méprise pas les jours où tu as eu les petits commencements. Ne méprise pas. Une femme m'a donné son témoignage hier. Elle dit que son salaire... Attendez, je vais vous faire écouter le voice. Parce que je vais même la retrouver. Son salaire, c'est généralement 40... Combien? 50 000. Essayer de trouver la dame là. Je me suis rendu compte qu'elle a les Decepticons qui m'écoutent ici là. Donc si je fais même sur écouter son voice, c'est que ces Decepticons vont la poursuivre pour rien. Elle dit qu'elle est sur 50 000 le mois. Depuis qu'elle m'écoute, elle se lave avec le sel. Elle n'a encore acheté aucun de mes produits. Depuis, il m'appelle un soir. Elle me dit, ma reine, je viens de recevoir 5 000. J'envoie 500 de dîmes. À 21h, 23h, elle dit j'envoie encore 500 de dîmes. 10 000 francs en une journée pour quelqu'un qui touche 50 000 francs le mois. C'est énorme, vous savez ça. Le lendemain, elle m'envoie encore 500. Le jour d'après, elle me fait le message le matin, elle me dit que j'ai remarqué que depuis qu'elle me lave avec le sel, je ne peux pas passer une journée sans 5 000. Considérez qu'elle reçoit seulement 5 000 chaque jour pendant 5, donc 5 fois la semaine. Ça fait 25 000 par semaine.
multiplié, ça veut dire qu'elle se retrouve avec 100 000 francs de dons. Alors qu'elle a le salaire de 50 000 qu'elle avait à la base. Mais elle est en mesure de reconnaître que il y a un petit argent qu'on me donne ici là. Certes, ce n'est pas 5 millions, mais c'est quand même quelque chose. Ce qui est en train de vous tuer, c'est que vous attendez les gros agents pour payer la dîme du gros agent. Vous attendez le gros agent pour faire le salaka de gros agent. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Le gros agent, tu peux rester en 30 jours. Tu comptes, tu totalises ton argent. Tu te rends compte que tu as reçu 30 000 euros. Alors que ton salaire, avant que tu commences tous ces rituels-ci-là, c'était peut-être 2 500 euros, 3 000 euros. Aimé Calix, tu crois que je suis désespérée, je cherche le mari. Tu ne me connais pas bien. Écoute seulement mes vidéos, bêta, tu te tais seulement. Avant que tu n'écoutes tous ces trucs-là, ces enseignements, tu étais dans les 2 500 euros maximum. Il y en a pour qui, quand je dis 2 500 euros comme ça, là, pour toi, c'est beaucoup. Parce que quand tu reçois tes 1 800 euros, ta tête est fermée sur 1 800 euros. C'est fermé. Quand on dit 1 800 euros comme ça, là, tu ne te vois pas en train de recevoir même 2 500 euros. Tu ne te vois pas 4 000 euros alors pour toi. Hey, 4 000 euros. Hey, 4 000 euros. Hey, hey. Pour toi, c'est beaucoup jusqu'à. Donc voilà, tu reçois 500 euros et c'est là tu payes la dîme 50 euros. Deux, trois jours plus tard, tu as encore 500 euros. Le lendemain, tu as encore 500 euros. Totalise, commencez à compter l'argent qui touche vos mains. Commencez à compter vos bénéfices. Vous allez voir que votre argent a déjà bougé depuis longtemps, mais vous-même, vous ne vous rendez pas compte. Et vous ne témoignez jamais. Ah, moi, je n'ai pas le pain. Moi, ne témoignez pas, vous avez compris. Oh, la spiritualité me plaît. Oh. Et c'est qu'il y a des gens qui me regardent que vous ne pouvez jamais oser venir témoigner parce que quand vous allez témoigner, vous allez voir que ça va confirmer ce que j'ai dit. Et venir témoigner, ce serait genre, hey, non, il va accepter qu'elle a raison. Écoutez, je ne discute pas avec vous. Ce que je vous dis, c'est là. Idée. Que vous acceptez ou pas, c'est là. Idée waka. Ça marche. Peu importe le pays où tu te trouves. Peu importe le pays où tu te trouves. Peu importe ta couleur de peau. Peu importe ta religion. Parce que vous savez que vous sortez de ces trucs de religion-là. Moi, ici, catholique. Moi, ici, protestante. Écoutez, moi, si tu es musulman, je prie, je mets la Vierge Marie, je mets Jésus-Christ. Ne te force pas à accepter mon Jésus. Mais il sait que plus j'ai fait au nom de Jésus, ça marche. Resserrez votre, payez votre dîme quotidiennement. Même moi, l'Éternel m'a rappelé ça ce matin. Payez votre dîme quotidiennement. Tous les rituels que je vous dis ici, faites ça tous les jours. Payez la dîme tous les jours. Faites les offrandes tous les jours. Lavez-vous avec le sel tous les jours. Faites tout, tous les jours. Si tu faisais une fois par semaine, ça t'apportait l'argent une fois par semaine. Fais tous les jours, tu vas voir. Je t'assure que l'univers va trouver un moyen de te donner l'argent chaque jour. Parce que dans votre corps, il y a les peurs. Tu vois, aigle, tu as rêvé que je viens dans ton village faire la prière. Je crois que c'est parce que je suis le canal par lequel les ancêtres te parlent. Et il y a sûrement des choses. Tu as sûrement fait le travail de fondation. Aigle, tu as déjà fait ton kit de fondation. Il y a des petits trucs.
blessures dans votre corps, c'est des petites peurs qui font que tu restes en cela. Tu as peur. Dieu te dit, lance le business ici. Ah, j'ai pris 5 ans pour économiser mes 5 000 euros. Hein. Tu es quelqu'un que tu payes ta dîme. Tu payes ta dîme. Tu honores le Seigneur, tu honores les ancêtres. Tu es en contact avec l'univers. Tout ce que tu as comme plan, comme rêve, comme projet qui vient dans ta tête, ça va marcher. Écoutez-moi bien. Ça va marcher. Prends ton argent, pas faire le projet là avec, tu vas voir. Les portes qui t'étaient fermées avant là. Les portes qui t'étaient fermées avant là. Tu vas wonder seulement que tu arrives. Avant, tu cherchais comment faire pour avoir la marchandise. Le tout, si l'on te donne, même, te montre même seulement que on achète, quelqu'un te prend. Hein. Tu arrives à Istanbul, tu tombes sur quelqu'un, il t'amène, il te montre à tous les endroits où on achète la marchandise au moins cher. Tu économises même 1000 euros comme ça, là, tu dis, mais que Seigneur, je ne comprends pas. Parce que tu as obéi. Et la peur là, les peurs là sont dans votre corps. C'est dans ton corps. C'est sûr. De conséquence, c'est dans des petits trucs. Quand tu penses, tu dis, j'ai peur. Chaque jour, tu te laves avec le sel, ça part. Tu te laves avec le sel, ça part. Tu te laves avec le sel, ça part. Tu te lèves un matin, comme ça, là, pap, tu pars, pap, allez, je vais acheter le terrain. Tu paies le terrain une fois, tap, tu n'as plus peur. Toutes les peurs là disparaissent. Kevin, il ne faut pas seulement aimer ce que je dis, il faut faire ce que je dis. Je vous rencontre chaque jour, vous me voyez, vous avez même honte. J'étais sur Facebook. Tu fais alors, tu te laves avec le sel. Tu m'as apporté ce que je dis. C'est tellement important. C'est fou, hein? En fait, je sais qu'il y a des gens que vous êtes plus grands sorciers que moi, ok? Ça ne me dérange pas. Kevin, voilà le numéro inbox. Si tu ne sais pas dans quel pays tu te trouves, je te conseille de prendre un kit de déblocage, tu commences à utiliser derrière toi, mais chez toi. Paye le lavage à distance. Il y a les lavages à distance qu'on fait. On va faire le lavage à distance. On est quand? On est vendredi. Demain, il y a lavage à distance. Et on prépare tous le lavage du premier. Quand je fais le lavage de demain, le prochain lavage, c'est le premier. Donc, vous inscrire pour les lavages du 1er juin. Voilà. Je sais qu'il y a d'autres personnes que vous maîtrisez. Vous êtes déjà parti au Bénin, chez les plus grands marabouts, les plus grands rois, les plus grands sorciers, tout ça là. Ça va le souci. Maintenant, je voudrais que vous puissiez commencer par la base. Je suis en train de parler aux gens que vous venez de tomber sur ça. Vous n'avez même jamais su que quelqu'un vous détestait. Toi, tu croyais toujours que tout le monde est gentil. Tout le monde est même là. En même là. Jusqu'à ce que tu te rendes compte que ton mariage ne marche pas. Tu n'arrives même pas à avoir d'enfant. Voilà ton business, tu es dans ton magasin, tu es la seule personne, tu consommes ta clim toi-même. Tu as tellement exposé tes choses que toi-même, tu as pris, tu prends, tu commences à utiliser toi-même. Ton commerce ne marche pas. Tu es bloqué. Il y a certains de vos amis qui connaissent comment les choses ici fonctionnent. Tu marches avec la fille là, comment détecter ce genre d'amis? Elle n'est jamais bloquée, toutes ces choses marchent toujours. Écoute, la fille là, elle a les trucs spirituels qu'elle fait. C'est ça que vous êtes bête, non? Les bêtetons. Tu regardes, tu marches avec ta copine. Il y a une de mes filles, une fois là, elle est aux États-Unis. Mireille, là, le sel, c'est le commencement. J'ai plein d'autres kits que je vends. Tu commences avec le sel, tu crois que c'est. Pardon, qu'est-ce qu'on a là-bas?
Donc tu crois que tu vas acheter le sel de 50, ça va débloquer toutes tes finances de 5 millions. Le spirituel, c'est donnant donné. Hein. Le spirituel. Tu arrives quelque part, quelqu'un te dit que je vais te rendre millionnaire, demande-lui que je vais te donner quoi en échange. Cash. Je vais te donner quoi en échange. Ouais, vous venez vous asseoir chaque matin, écoutez ce que je dis, écoutez. Parti, dépenser 50 francs, acheter le sel fer. Après, tu vas avoir 5 millions dans ton compte, 10 millions dans ton compte. C'est on te montre déjà, c'est la sorcellerie. Il y a toujours quelque chose que tu vas sortir. Toujours. C'est ça, c'est une loi de la nature. Comment c'est tellement dur. Tellement dur. Attends, en tout cas, il revient sur la fille là. Une de mes filles aux États-Unis. Elle me dit que elle a une amie nigériane. Chaque année, sa copine la voyage pour 10 jours. Elle est au Nigeria. En rentrant de son voyage au Nigeria, la fille la passe à Dubaï. Elle achète au moins 10 sacs Louis Vuitton. Elle passe à Dubaï, elle fait le shopping. Où elle faisait que le porte-à-porter, je ne connais pas. Tout ce qu'elle dit, c'est... Et même le porte-à-porter, vous savez que ce n'est pas le qui veut. Ce n'est pas le qui veut. La preuve, il y a des gens que vous êtes en train de critiquer, que si vous-même vous avez l'opportunité, c'est que tu partais aussi ouvrir ta part de bouche. Mais ce n'est pas qui veut. Elle dit donc que quand sa copine la rentre à chaque fois, souvent sa copine la rentre, elle lui offre quand même un sac, elle lui offre un sac même de 1000 dollars. Elle part le sac. La fille, sa copine lui dit, tu as la chance que tu aies un bon cœur. Elle demande sa copine, comment tu sais que j'ai un bon cœur? Attendez. Ceux qui me connaissent, vous savez que je suis la fille la plus simple de la terre. J'ai acheté la billet, pas enlevé l'étiquette, tout ça. J'ai enlevé l'étiquette, mais pas enlevé le petit truc qui pique là. Et sa copine lui dit, tu as ta chance que tu as un bon cœur. Elle me dit, comment tu fais pour savoir que je suis simple? Elle dit, mais j'ai checké. Elle lui dit que quand elle est au Nigeria comme ça, elle ne peut pas voir les plus grands marabouts du Nigeria. Elle fait son lavage annuel. Lavage, le genre de lavage que. Elle dit qu'aux États-Unis, là, sa copine la sort qu'avec les grands types. Les sénateurs. Hey, conjuguez-moi le verbe simple. Je suis simple, tu es simple, il est simple. Le verbe simpleton. Je simpleton, tu simpleton. Tu restes, tu regardes ta copine. Tu regardes comme ça. Aïcha Tou, prends d'abord le kit de fondation. Kit fondation. Ça, c'est quelque chose que ta mère t'a passé. La mère de ta mère a passé à ta mère. C'est dans votre famille. Gati, gati, te zirlo. Te zirlo. Kevin Bapé, ne te dérange pas. Quand il te voit, mais tu m'as pas payé ma consultation. Quand quelqu'un vient commencer à avancer sur ma page, je le bloque moi une fois. Il n'aime pas les pauvres. Ça m'énerve. Parce que même seulement vous parlez comme ça, là, vous venez mettre la pauvreté dans mon esprit. Je ne veux pas. Qu'est-ce qu'on prie? Je n'aime pas. La pauvreté est un péché. Et vous êtes pauvre parce que vous ne voulez pas changer. On te montre que, paye ta dîme peut-être. Tu as 500, retire 50, tu peux payer la dîme. L'autre 50, prends le, tu achètes le sel. Il y a la Bible dans toutes les maisons de la terre. Prends la Bible, tu t'assois, tu lis. Somme 35, tu prends l'eau, tu mets le sel dedans. Tu te laves, que j'enlève toute malédiction, toute malchance sur moi. Si tu fais ça pendant 7 jours, les 7 jours-là, ton argent ne s'ouvre pas. Je vous dis toujours, je vous chasse sur ma page chaque jour. Désabonnez-vous, ne commentez plus mes directs. Ne pas communiquer avec les pauvres. Pauvres bloqués là. Pauvre, bloqué, têtu, paresseux. Ça va ensemble. Têtu, paresseux. On parle, tu ne fais pas. On parle, tu ne fais pas. Va t'asseoir en bordure de route, tu vends les choses chaque jour. Depuis 5 ans, tu fais ça, non? Continue. Certains d'entre vous, vous voyez, tout ce que vous voyez de mieux que vous pouvez faire, c'est vendre en route parce qu'on a bloqué vos idées. On a bloqué ton cerveau. Tu ne vois rien. Les gens avec qui tu as commencé il y a 3 ans, ils ont les boutiques.
Vous savez combien les gens déposent, dépensent quand ils partent chez les marabouts. Dès que le marabout demande que elle, je vais payer. Elle part chercher l'argent et elle dépose. On doit vous forcer. Les chrétiens souffrent trop. Hein? Ouais, Seigneur. Parce que vous pensez que c'est le balayage que vous balayez la cour. Le balayer la cour à l'église, ça s'appelle les factures de l'église. Pasteur, j'ai balayé. Non, sors, tu vas travailler. Va ouvrir ton entreprise. Paye-moi la dîme de ton business que tu fais là. C'est ça qui va payer les factures de l'église. Qui t'a fait ça? Blague même pas de ça. Blague même pas de vous. Et si vous regardez bien votre vie, vous êtes paresseux. Vous êtes paresseux. On te dit, fais ton lavage. Hein, on ne peut pas me lever à 3 heures. Hey, le sommeil. Qui va laisser le sommeil? Tchai. Hey, karabakasha, tarabakasha. C'est ta paresse qui t'attache, qui te tue. Tu ne peux pas te lever à 4 heures pour prier. Tu ne peux pas te lever à 3 heures pour faire un lavage sur toi. Non. Vous voyez souvent, ils font des qu'une fille a garé la voiture. Elle est sortie nue. Elle a marché, contourné le carrefour. Même si vous allez dire que c'est le mal. Hein? Écoutez, voilà une fille qui est prête à tout. Voilà une fille qui est prête à tout. Tu te bats, hein? Tu te bats contre qui, Kevin? Tu te bats contre toi-même, contre ta propre paresse. Tu te bats, hein? Bats-toi bien. Tu vas te voir, si tu es seul dans le ring. Tu te bats contre l'air. Tu te bats contre l'air. Quand ils voient souvent les gens viennent me voir, oh, je vais changer, aide-moi. Je regarde, on s'est rire. Je dis que tu es prêt. Est-ce que tu es prêt? Voilà, est-ce que tu es prêt? Vous aimez trop le sommeil? Vous aimez trop le sommeil? Cinq heures, tu dors. 6 heures, tu dors. 7 heures, c'est là que tu te réveilles. Tu te réveilles à 7 heures. Tu es giflable. Bonjour, bienvenue sur ma page. Je ne vous supplie pas pour être ici. Vous avez compris. Si ce que vous dites ne vous plaît pas, vous partez. Ne dites que ce que je dis ne vous plaît pas, vous partez. Continuez dans votre pauvreté. Parce que tu dois prendre les responsabilités de ta pauvreté. Je suis pauvre parce que j'ai cherché. Gotchum. Aïcha, je suis au Gabon, ma chérie. Je suis à Libreville, à Louis. Paresseuse. Ouvre ta bouche, tu parles. Ah, tu sais. Lève-toi à 4 heures, tu pries. Fais le lavage, c'est à 3 heures ou à minuit. Ah. Et que tu veux réussir. Tu veux réussir. Moi. Tu ne sais pas que quand quelqu'un veut t'attacher, il est prêt à partir. On dit que pas dans telle forêt là-bas. Il le voit à minuit dans la forêt. Qu'il est en train de partir, il va enterrer quelque chose qu'il a pris chez toi. Oh. Votre degré auquel vous voulez réussir n'est pas aussi fort que le degré des gens qui veulent vous enterrer pour que vous n'avanciez pas. Je vous dis, cache. Il ne marche pas, mais moi, avec vous. C'est trop moumou. Trop moumou. Trop. Bonjour, Patrick. Trop moumou. Ton esprit est faible. Ton esprit est faible. Tu ne peux pas décider que tu vas faire quelque chose, tu fais. Depuis combien de fois tu as dit que tu vas écrire le livre, tu n'as jamais écrit. Tu as pris le bic combien de fois pour écrire le livre là?
Tu as lancé la chaîne YouTube combien de fois? Paresseux. Ouf. Vous aimez les gens qui vont vous doloter. Hein? Que le Seigneur le fera. Je laisse tout à Dieu. Il dira l'argent. Hein? Elle chante qu'elle laisse tout à Dieu parce qu'elle a l'argent. Laissez à Dieu, vous allez voir. Tu cherches le boulot, tu es couché dans la maison. Tu dors. Que non, je médite. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui qui va te rapporter l'argent? Hier qui est fini là, tu as fait quoi? Quelle est l'énergie que tu as mis là dehors? Que tu sais que si quelqu'un tombe sur ça, ça va me donner l'argent. Tu n'as rien fait. Tu mérites l'argent comment? Ça t'attendait toujours de vivre des dons des gens. Les dons, les dons, les dons. Attends que mon oncle me donne l'argent qu'il m'avait promis. Il ne te doit rien du tout. Ton oncle ne te doit rien. Ton gars ne te doit rien. Le sexe que tu donnes là, tu crois qu'il va trouver ça ailleurs? Chat. Noir. Bonjour, bonjour. Il est souvent nécessaire que tu t'asseyes toi-même. Tu examines ta vie. C'est bien, il dit qu'il va te donner de l'argent. Quel est le service que tu as? Tu as quoi? Tu vends quoi? Tu vends quoi? Nel Del Rose, il y a lavage demain, oui. Tu peux venir en présentiel. Ça va se passer à midi. Tu vends quoi? Est-ce que tu as écrit un livre que tu as mis là-dehors? Est-ce que tu as un cahier que tu vends? Est-ce que tu as un programme que tu vends? Est-ce que tu as des services que tu offres aux gens? Tu as quoi que tu peux me donner? Quelqu'un peut entrer dans ton magasin, il décide de te faire la réserve de 500 000. Mais il faut que tu aies des choses que tu vends, non? J'aime tellement ce que tu fais. Waouh! Même les orphelinats, je dis souvent aux orphelinats, que, aux femmes qui dédient les orphelinats, fais que les orphelins fassent des petits tableaux, ils vendent. Qu'ils fassent les coudes des petites boucles d'oreilles. Quelqu'un peut venir, il fait le don à l'orphelinat, peut-être du riz. Mais après, il voit les petits œuvres que vous avez fait, il achète. Parce que c'est que comme j'achète comme ça, ça va donner l'argent aux orphelins. Soyez créatif. Tu connais seulement critiquer. Ah, on aurait dû faire comme ça. Ah, on aurait dû faire. Regarde là-bas, c'est pas bien. Non, non. Vous avez l'esprit du perfectionnisme, alors voilà alors ce qui vous gâte, ce qui vous tue. Vous aimez que tout soit parfait avant que vous fassiez. Oh, yo. Tant que tout n'est pas bien, tant que je n'ai pas un local de 100 mètres carrés, tant que je n'ai pas une boutique qui est au marché comme ça là, qui est en bordure de route, tant que je n'ai pas. Tu es dans ton film. Tu es dans ton film. Tu me comprends, non? Tu es dans ton film. Tu es l'actrice, tu es le chef bandit, tu es éditrice. Le film va rester dans ta tête pour toujours. On va jamais voir le film là. Quand j'ai compris que le monde entier ne me suppliera pas. Quand j'ai compris que le monde entier ne viendra pas à mes pieds. Oh là là. J'étais déçue. Ça m'a fait mal. Donc ils ne vont jamais reconnaître mon talent. Jesus. Jesus is Lord. Je suis à Louis, à côté de l'hôtel Hibiscus. Louis, hôtel Hibiscus. Quand tu arrives là-bas, tu es à 300 mètres de ma maison. Tu as compris? Donc, ils ne vont pas reconnaître que j'ai les best-sellers dans ma tête, que je vais écrire. Donc, ils ne voient pas que je suis la fille la plus belle. Regardez-moi. Ils ne voient pas. Vous ne voyez pas. Tu vois, tu marches, tu gonfles, tu es arrogante, orgueilleuse, bizarre, là, nonchalante.
Personne ne te voit, ma chérie. Quand j'ai compris que personne ne... Oh là là, c'était un choc. Un choc. On dit anaphylactique. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Le mot là me plaît. C'était un choc pour moi. Donc le monde ne viendra pas s'agenouiller à moi. Oh là là. Donc ils ne reconnaissent pas mes talents. Yeah. Ils ne voient pas que je connais dessiner. Ils ne voient pas que je coûte. Hey, ma chérie. Tu dois bosser. Il est hier, tu me comprends? Le lavage au sel que tu fais là, tant que tu ne te lèves pas, tu travailles à côté, rien ne va marcher. Tu m'as compris, non? Ça fait mal, non? Je me sens un peu comme si je vais faire un peu comme une Machiavel sur vous aujourd'hui là. Oh, la triste réalité. La triste réalité. Depuis que tu regardes les vidéos chaque jour. Est-ce que quelqu'un est déjà venu au judoka à ta porte et dit, waouh, tu as tellement de talent. Waouh. Hein? Ils sont pas venus toquer chez toi. Hein? Hein? Après avoir prié et déclaré, tu dois sortir, mettre à la disposition du monde entier ce qu'il y a en toi. Tu n'as fait aucune page YouTube. Aucune page. Écoutez, j'aurais pu être en train de dormir. Vous m'avez trouvé comment? Tu es tombé sur ma vidéo comment? Hum? Comment tu es tombé sur ma vidéo? Et bah, tu passais en bordure de route de ma maison. Tu as vu la porte était ouverte. Tu es entré. C'était. Mouf, quittez là-bas. Mouf. J'ai envie de vous gifler. J'ai peur. J'ai peur. Tu n'es pas une vierge qu'on doit dévêcher. J'ai peur. Je ne sais pas. J'ai peur. Mais c'est pas ce qui me prend ce matin. J'ai peur. Tu attends qu'on vient te calmer. Que non, ça va aller. Ça va aller. Mouf. Mouf. Tu as le don de vision. Tu as le don de guérison. Tu as le don de ceci. Tu as tout gardé ça. C'est dans ta poche. Comme ça là. Comme ça là. Personne ne connaît. Tu as une belle voix. Personne ne connaît. Quand les gens chantent, tu critiques dans ta tête. Tu écoutes même ma chanson. Tu écoutes même mon single là. Tu dis, mais moi je peux chanter même mieux que la reine tiers. Je peux me chanter mieux qu'elle. Où est ton single? Où est ton album? On achète que ce qui est emballé, c'est dehors. Merci la reine Olga. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de me moquer de beaucoup de personnes aujourd'hui. Elle dit que choc anaphylactique. Merci beaucoup. Je veux que vous réveilliez de vos rêves. Vous m'avez suivi. Peut-être c'est pour ça que depuis que tu fais ton lavage, tu payes ta dîme, tu fais tout. Rien n'avance dans ta vie. Parce que Dieu te dit que prends le téléphone. Prends le téléphone. Fais le TikTok, tu mets là-bas dehors. Tout ce qu'on te parle dans les rêves, les révélations qu'on te donne. Fais les vidéos, tu dis aux gens. Tu te réveilles le matin, tu dis, j'ai peur. Hey, je ne veux pas que la reine Jocelyne pense que je veux la... Écoute, même si tu écoutes mes vidéos, tu parles de 30, tu dis la même chose que j'ai dit dans tes vidéos. Tu ne seras jamais comme moi. Je ne serai jamais comme toi. Parce que ce que tu portes, c'est pour toi. Ce qu'elle porte, c'est pour moi. Tu as compris? Si vous vous reconnaissez tellement dans ce que j'ai dit, c'est parce qu'en vous, il y a ce que j'ai. Mais à votre façon. Vous ne pouvez pas guérir comme moi. Vous ne pouvez pas prêcher comme moi. Parce que moi, j'ai ma vie, j'ai mon passé. Vous n'avez pas les lorces comme moi. Vous n'avez pas mon âge, vous n'avez pas mon passé. Vous n'avez pas mes peurs, vous n'avez pas mes craintes. Vous parlez même de quoi?
On ne se compare pas dans le spirituel. J'ai peur. Tu as 45 ans. J'ai peur. Je vais te gifler. Je vais te taper. Oyo. Ne pas vous penser que je suis enfer. Comme je lève chaque jour, je fais les vidéos, ça vous aide dans la journée là. Mais pas, je suis bête. Vous me prenez pour une folle, non? Et les messages qu'on vous a donnés depuis des mois, c'est dans votre ventre. Il y a au moins 500 personnes là-dedans qui ont besoin de ça. Qu'est-ce qu'on va penser de mes cheveux? Regardez ma part, regardez mes cheveux, regardez, regardez. Je m'en fous. Non, je vais d'abord faire le make-up. J'ai peur. Je ne sais pas, le jeu, j'ai peur là, ça m'amuse trop ce matin. J'ai peur. Où tu as peur du téléphone? Où tu as peur de quoi? Vous allez traverser toutes ces étapes-là. On va vous insulter. Combien de fois on m'a insulté sur Facebook? Combien de sorciers n'ont pas essayé de m'avoir? Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé. Ce n'est pas vous qui m'avez ouin. Ce n'est pas vous qui m'avez créé. Oui, 10 vues. J'ai eu les vidéos que je faisais. J'avais une personne connectée. Une personne qui était connectée qui regarde. À la fin du direct, j'ai 20 vues. L'année passée. Non, Milisa, tu connais écrit le Badjoun là. Hey, Oje. Bonjour, la reine Bella. J'ai peur. La reine, tu sais, même si c'est le patois qui sort, parle qu'en patois. Mélange le patois avec le pidgin. Les gens qui comprennent le patois là vont te trouver sur Facebook. Vous savez, je suis tombée sur les directs de certains Nigérians qui parlaient en Yoruba. Certains qui parlaient en Igbo. Tu le trouves. Kekime, Kemaka. Oh là là. Il dit que, yay, c'est encore qui ça. Quand j'écoute bien, il voit que c'est le Igbo qui parle. Toutes ces vidéos, c'est en Igbo. Toi, tu parles le Batou femme. Tu crois que si tu fais les vidéos, tu ne localises que les Batou femmes. Mon frère, ça va devenir la mode. Il y a un homme là qui fait ses sketchs. Il fait rire les gens. Il fait ça quand en Badjoun. Mon frère, quand tu écoutes ça, tu vas rire. Il met l'accent badjounais sur ça, mon frère. Ça a le goût. Quand tu écoutes ça, même si tu es à Washington, ça te rappelle le village. Tu te vois à quoi? Comme ça là, tu dis que yeah, le gars c'est trop fort. Oh, vous ne pouvez pas savoir la particularité de votre particularité. Vous ne pouvez pas savoir. J'ai peur. Yeah. Ouais, petite fille. Tu es pas dit, ouais, un costaud monsieur là. C'est lui qui va prendre ta virginité aujourd'hui. Aïe. Ah, yeah. You sleep like a baby. Oh, that's beautiful, Susie. It's good that you practiced what I am preaching. That's so good. Yep. Écoutez. La chose que vous redoutez le plus, c'est ça votre particularité. Peut-être tu aimes que le couscous cuit, le couscous jaune là, avec le gombo dedans, avec le. Tu aimes que le mbunga. Hier, je pensais à faire même le cube magie au mbunga. Moi, j'aime le mbunga jusqu'à. Hey, mbunga et moi. Je peux manger tout avec le mbunga. La tête du mbunga alors, hein. Hey, la sauce gombo, mon frère. Tu fais tes vidéos sur Facebook, tu parles que de ça. Tes gens vont te localiser, ils vont venir à toi. Tu sais pas pourquoi vous voulez vous comparer toujours aux gens.
les gens à New York. Que si tu fais des vidéos, tu parles d'une cuillère, tu fais un badounet. Ils vont regarder tes vidéos, ils seront contents. Que mamie, tu peux pas savoir comment tes regards, ça me plaît. Au point, aga. Yay! J'ai envie de partir à Badjoun, Badjoun me manque. Badjoun me manque. Yeah, yeah. Il faut que j'aille à Badjoun, Badjoun, Badjoun. Il ne pourrait pas faire 2 semaines sans partir à quoi? Ça fait 3 semaines, je ne suis pas parti à quoi? Bonjour la reine Rolande. Quoi me manque? Il faut que. Qui? Quoi me manque? J'ai envie de partir à quoi? Mm-hmm. Quand elle parle là-bas, j'ai ma matière là-bas, elle ne me peut pas le rat. Un jour, on a trouvé 4 rats en une journée. Mince. J'ai mangé le rat le jour-là jusqu'à ma paix. Babdem. Ça avait le goût. Elle avait fait ça avec le un peu de. Tu vois, le couscous avec la sauce tomate là-dedans. Oui. Mm-hmm. Mamma mia. Ouais, Seigneur. Commencez à vous aimer. Aimez votre particularité. Il y a des moments où j'ai essayé de me transformer. J'ai essayé de. J'ai plusieurs personnalités en moi. Je peux vous faire beaucoup de caractère. Beaucoup. C'est pour ça qu'elle sait que je suis une très bonne actrice. Mais j'ai explosé financièrement et tout le reste qui va avec quand je suis rentrée à l'essence de ce que j'aime et de qui je suis. L'essence même, Abadjoun. C'est là que je me suis retrouvée. C'est là que j'ai eu ma paix. C'est là que j'ai eu l'ouverture de mes portes. Parfois, ce que tu fuis dans ta racine, c'est ce qui fait ta particularité. Je peux me mettre dans n'importe quel aéroport. J'ai porté mon dope sur moi. Sans, je n'ai pas de problème, je n'ai pas la pression. Tu as ton Louis Vuitton, je m'en fous. I don't care. Je mets mes courriers sur moi. Je mets mon petit dope là. Un peu avec mon petit chapeau du village que mon père m'a donné là. Oh my god, yeah, momie Lisa. Il y a 2 jours, tu as fait le cuit couscous légumes, yeah, yeah, et vous avez mangé en famille. Hein? Hein? Tu as vu ça dans le rêve ou bien? Donc, ça veut dire qu'il faut que quelqu'un rentre au Cameroun. Tu prépares pour moi le cuit, non? Tu peux pas le cuit, tu en manges, n'est-ce pas? Tout le mois d'août, tu as Abadjoun et Elisette. Ok. C'est ça qu'on va faire les réunions souvent à Abadjoun. Rentrez dans l'essence de vous-même, je vous en prie. J'ai une de mes filles là, elle est en France. Elle me dit avant-hier, parce que je vendais un terrain. En passant, si je vends. Tu sais, monsieur qui vend les terrains, il vend pour celui qui a 10 millions, il a besoin d'argent immédiatement. Et je suis la garantie de cette transaction. Il donne combien d'hectares? Pour 10 millions, il donne. Il faisait d'abord 20 hectares, mais maintenant il est descendu à 15, pour 10 millions. À PK36, donc si vous êtes intéressé. Donc, elle est tombée sur ce que j'ai mis dans mon statut WhatsApp. Donc, il y a 5 jours, je proposais 20 hectares à 10 millions. Ça, c'est pour ce monsieur-là. Donc, elle tombe dessus. Elle me dit qu'elle est intéressée. Mais après, elle me dit, elle ne sait pas pourquoi, mais son cœur est à l'ouest. Elle veut faire des maisons d'hôtes, mais au village à l'ouest. La reine au fait, tu check mes antennes. Ça pousse, non? Ok, regarde.
Elle me dit qu'elle veut faire. Elle veut faire des meublés, maisons d'hôtes, mais au village à l'ouest. C'est là que je me suis dit, waouh, voilà une femme qui est déjà en Beng, elle est à Paris, tout ça là. Mais son âme l'appelle à aller créer quelque chose au village. J'ai beaucoup admiré ça. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, on a honte de nos racines. Vous savez, les blancs que vous, chez qui vous êtes là, s'ils connaissaient même seulement un peu de leurs racines, ils seraient tellement fiers. Ils porteraient ça sur leur visage comme ça là, partout. Partout, ils marchent, ils vont mettre ça sur eux. C'est dommage que nous, on a pour nous, mais on a rejeté pour nous. Pour aller chercher pour les blancs. On commence à voir pas les cheveux. Combien d'entre nous on garde nos cheveux? Dès qu'on voit les cheveux là, il y a... Ah, pardon. On veut la brésilienne, c'est ça qui... C'est ça qui... Le plus beau compliment qu'un homme m'ait fait, c'était l'année passée. Oh! Je me rappelle encore de ça comme c'était hier. Je sais pas pourquoi il rit trop ce matin. Ok. Je venais de commencer ces trucs de habillage en Afrique, en africain et tout ça là. Et ça me faisait tellement plaisir. Je venais de découvrir. On m'avait offert mon premier vêtement africain en mai 2021. Quand j'ai mis l'habit là sur moi, c'était un habit, c'était un tissu qui venait du Ghana. Pas seulement le wax qu'on a fabriqué en Hollande là, non. Quand j'ai mis le tissu là sur moi, waouh. Il m'avait fait ça, il m'avait acheté ça avec une couronne en perles comme ça. Putain, ça avait dépassé tous les tête-bakers que j'avais portés. Ça dépassait les marques que je portais souvent en Angleterre là. C'était bien. Il y avait quelque chose. Dans la pérou là, j'avais décidé de laisser pousser mes cheveux. Ceux qui me suivent depuis l'année passée, vous savez que j'avais laissé mon afro. C'est maintenant, j'ai fait les locks, ça fait seulement 3 mois. Mais j'avais l'afro avant. Donc j'avais laissé pousser mes cheveux. J'avais fait 3-4 mois sans peigner mes cheveux. Donc c'était la brousse là. Donc un jour, cet ami en question m'amène chez un de ses amis qui vit dans la ville de Douala. Mais il avait voyagé. Donc quand il a voyagé, il avait laissé sa femme et ses enfants dans son domicile. Donc j'arrive chez lui. On fait un appel vidéo. Donc, mon ami nous présente. Quand je prends le téléphone, je commence à lui parler. Il dit, mais c'est qui cette belle africaine aux beaux cheveux crépus? Son compliment m'a marqué jusqu'aujourd'hui. Quand il a dit ça, en fait, c'est comme si... Je me suis dit, waouh! Quelqu'un me voit pour qui je suis. Est-ce que vous savez que la majorité des compliments qu'on vous donne, c'est à cause du oh, j'aime ton rouge à lèvres. J'aime ton. Oh, les cheveux là, c'est bien. Oh, waouh, c'est lisse. Tu achètes ta brésilienne où? Tu arrives même à Badjoun, tu vois les femmes qui prennent les cheveux des blancs et mettent sur leur tête. Même à Badjoun. Va t'acheter les mèches de 45 000 pour mettre sur la tête. J'ai commencé à comprendre. Qui m'as-tu? Je ressemble à Brenda Bia. Tu parles de Brenda? Brenda, oh! Brenda, on dit qu'elle te ressemble. Brenda. Je pense que c'est un compliment parce que j'aime beaucoup le caractère de cette fille. Je trouve que c'est une jument foutiste. C'est ce que j'aime chez elle. Brendou. Et elle ne s'excuse pas d'être une fille de président, hein, franchement. C'est pas de sa faute si elle est née riche. Donc je l'aime beaucoup, cette jeune fille. Donc j'ai compris que quand j'ai commencé à aller dans l'essence de mes choses, à accepter la nature de qui je suis, j'ai d'abord commencé à m'aimer. J'ai arrêté de stresser. Mon teint a commencé à sortir.
Il faut que je cherche encore bien la vidéo de Brenda Biala, je la regarde. Ah, je crois que c'est parce qu'on a les yeux des... On a les yeux des dessins animés. C'est qu'on a de grands yeux, non? Avant, on m'insultait, on me disait, oh, t'as les gros yeux. Maintenant que je sais que c'est mon atout principal quand je veux séduire, mes yeux. Mes yeux sont captivants. J'ai commencé à me connaître, à m'aimer, à m'accepter. Et j'ai aussi rencontré d'autres personnes qui se sont acceptées telles qu'elles sont. Et j'ai compris que tu pouvais prospérer en t'acceptant. Genre, tu n'as pas besoin, you don't need to fake it, to make it. Tu n'as pas besoin de prétendre. Tu peux être vrai et tu deviens riche. Tu peux porter des habits traditionnels qui sont très très chers. Hein. J'ai des habits traditionnels que j'ai achetés. L'âme de ça. Il n'y a que les connaisseurs. Il n'y a que quelqu'un qui connaît ça qui peut savoir que la fille a dépensé l'argent sur ça. Mais quand tu commences à t'aimer, il y a une énergie de confiance que tu dégages. La façon dont tu marches, c'est différent. L'assurance que tu as dans ton futur. Tu vois un peu. Tu aimes tes fossettes. Tu aimes ta barbe. Tout sur toi en fait. Tu aimes tout sur toi. Non, moi je sais pas si Brenda Biala n'a pas les formes. Mais j'aime mes formes. Ouais. Vous savez que j'ai passé des journées à être mince. Excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne. Allô? Oui? Bonjour. Très bien, monsieur. C'est bien moi. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? À lui. Je suis à lui, monsieur. Non, non, pas dans les galeries. Vous arrivez à l'hôtel Hibiscus, vous me faites signe. Merci, au revoir. Parfois, je sens ma voix charmante. Désolée. Quand tu découvres tes forces, tu es en mesure d'utiliser tes forces. Vous laissez venir l'argent à toi. Tu laisses venir l'argent à toi. Et ça fortifie en fait. Ça donne la puissance. I got the power. Bon voilà, c'est tout. Aimez-vous aujourd'hui. Aimez-vous. Vous allez voir qu'on va vous complimenter. Tu vois, machin, on voit comme ça. Quelqu'un va s'arrêter, il va te regarder. Il va dire, maman, tu es belle. Tu te laves avec le lait, le miel, là, aujourd'hui encore. Ça va shine, shine ton teint. Tu vas confirmer le code.
téléphone sonne encore. Allô? Bonjour. Oui, c'est bien moi. C'est 40 000 francs. Oui, c'est ça. On va dire dans une heure. Oui. Je vous en prie, au revoir. Tu vas créer ta marque de produits capillaires pour cheveux africains. Oh là. C'est très bien, ça, Jonah. Naël Jonah. Ce serait bien si en disant comme ça, tu as déjà commencé. Commence dans ta maison et commence dans ta cuisine là. Fabrique déjà 2-3 trucs. Le problème parfois pour faire vos trucs, c'est que vous attendez. Vous parlez trop dans le futur. Je vais créer mon restaurant. Je vais faire ceci. Vous ne comprenez pas que... C'est pour ça que quand je goûte quelque chose, généralement, il y a une dame qui a fait des gâteaux la dernière fois qu'on a fait le lavage à distance. Le 1er mai, elle a fait des gâteaux qu'elle a envoyés. Purée, ces gâteaux étaient bons. Tous mes invités voulaient finir les gâteaux. Là, j'ai dit que quittez. Mouf, vous êtes venus là pour faire le lavage. Je n'avais pas apporté le cadeau. Mais comment vous voulez finir mon cadeau qu'on m'a envoyé? Après, je demande à la dame que pourquoi? Tu sais faire les gâteaux. Tu as le moule chez toi. Tu as le four. Fais les gâteaux, tu vends. Non. Non, tu sais, moi, je veux d'abord... Allez lire l'histoire de n'importe qui a fait n'importe quelle grosse entreprise. Même Steve Jobs. Ils ont commencé dans leur garage. Le problème de l'Africain, c'est que vous attendez toujours le gros financement. Et ça ne viendra pas. On n'investit pas sur des idées. On investit sur un projet qui est déjà en marche. Et qui marche. Si j'ai pu prendre 50 000, en un an, j'ai transformé 50 000 en 5 millions. Quelqu'un peut facilement prendre 20 millions, il vient ajouter dans mon business parce qu'il a vu comment j'ai fait. Sans lui. Et si en passant, s'il ne le fait pas, tu prends les 5 millions, tu réinjectes dans ton business, ça te redonne 50 millions, tu reprends les 50 millions, tu injectes, c'est comme ça que tu deviens millionnaire. J'attends de bouffer la réunion. Tu vas bouffer la réunion dans 8 mois. Tu sais ce que tu peux faire en 8 mois? Est-ce que tu sais ce que tu peux faire en 8 mois? Avec la bonne stratégie, en un mois, tu t'étends dans un pays. En un mois, tu peux étendre. C'est pour ça que quand les gens viennent dans vos pays où vous plaignez, où les Libanais nous ont envahis, non. En Côte d'Ivoire, ils se plaignent trop, les Libanais, non. Ils sont arrivés avec la bonne stratégie. Ils construisent directement. Pam, 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 pam. Ok, le logement donne, ils construisent les immeubles. Ok, la restauration donne, tac, ils font les restaurants. C'est là vous attendez. Vous attendez. Le pire, c'est qu'ils font ça, ils vous emploient encore vous-même, vous battez de travailler là-bas dedans. Je suis venu ici, là, quand je voulais meubler ma maison, je pars, je vois que ceux qui sont à train de tacler dehors, ce sont les Africains. Ceux qui sont assis dedans, ce sont les Libanais. Ils disent que vous êtes bêtes. Liliane Dongo, tu dis que c'est quand on a une autorité qu'on peut investir sur l'idée au début. Là, il faut qu'on voit d'abord que ce que tu proposes marche. Écoutez, ce n'est pas tout le monde qui aura la notoriété. Il faut juste que ton concept soit bon. Il y a les business que tu consommes, tu ne connais même pas qui est l'initiateur de ce projet. Donc, n'attendez même pas la notoriété. Il y a les restaurants où tu vas manger, tu ne connais pas qui a ce restaurant. Mais tu manges là-bas, non. Parce que le restaurant est là, non. Ça répond à un besoin, non. Ça va vous bloquer chaque jour, vous-même, dans les business. Moi, je veux d'abord que... Je veux que les influenceurs me taguent. Tu vas écrire aux influenceurs fatigués. Personne ne va jamais te répondre. Personne ne va jamais te répondre. Vous avez vos idées, faites vos choses. Je suis conscient que ce n'est pas tout le monde qui est ouvert aux réseaux sociaux. Ce n'est pas tout le monde qui peut parler comme je parle sur le direct. Trouve ta forme, tu avances avec. Mais tu dois lancer quelque chose. Il y a
même pas Jean-Guy Baba de toi. Je vais. Un mois plus tard, tu as fait. Non. Je voulais d'abord attendre que je vais. Deux mois plus tard, tu as fait. Non, je voulais d'abord prévenir. Non, tu savais, il fallait d'abord que j'attendais d'abord que ça arrive. On a bloqué le port. C'est calé dans le conteneur. Oui, depuis 3 mois, il me bloque. Personne ne te bloque. Personne ne te bloque. Tu te bloques toi-même. Mettez-moi une bêtise des excuses là. Personne ne te bloque. Tu as peur. Tu crois que tu as peur plus que qui? Le monde ne tourne pas autour de toi. Le monde ne tourne pas autour de toi. Non. Je revenais de la plage. Et si moi maintenant je pars et me laver. On va attaquer cette journée en style. Bonne journée à vous.